Bonjour, du coup moi j'ai fait du super G et de la descente parce que jusqu'à une vingtaine d'années j'étais plutôt slalomeur et ensuite je me suis découvert des talents de skieur de vitesse à peu près à 20 ans, 19 ans, au championnat du monde junior en Suisse. Et après ça j'ai fait quasiment plus que de la vitesse jusque mon premier podium, un fait marquant en 2004 à Garmisch en super G. J'ai fait deuxième derrière Hermann Mayer. D'ailleurs, j'ai cru que j'allais gagner parce qu'Hermann, c'était le dernier à partir. Il m'a battu de 700e et ensuite, j'ai eu quelques moments difficiles. J'ai eu beaucoup de blessures jusqu'aux Jeux Olympiques de Turin en 2006 où je ne suis pas passé loin de faire un gros coup, mais la course a été annulée après 20 dossards alors que j'étais en tête. Donc, c'était un moment très difficile à vivre. Mais j'ai su trouver les ressources pour rebondir. J'ai gagné une Coupe du Monde en descente à Val d'Isère, juste un an après la mésaventure des Jeux Olympiques de Turin. Donc j'ai gagné en 2007. Ensuite, j'ai eu encore quelques blessures jusqu'en 2009, où vraiment ma carrière s'est arrêtée. J'ai de nouveau cassé mes deux genoux, mon bras droit et mon épaule gauche et un peu mon visage. Donc là, 33 ans, c'était la fin de ma carrière. Terminé.